Nous sommes tous conscients aujourd'hui que l'alimentation est un grand défi pour les populations d'aujourd'hui et pour les populations de demain, pour plusieurs raisons, pour les questions d'accessibilité et surtout comment aujourd'hui nous allons assurer la santé des populations en assurant une alimentation saine et équilibrée aux populations d'aujourd'hui et de demain. Il est extrêmement important que nous puissions au Sénégal, à partir de nos produits locaux, mettre en place ou renforcer notre système alimentaire pour que la dominante puisse être les produits locaux. Nous savons qu'aujourd'hui, la majorité des produits que nous consommons sont importés. Nous devons renverser la tendance et pour renverser cette tendance, c'est justement là où le secteur privé a un rôle clé à jouer. De manière classique, pour qu'un produit ait du succès, il faut que déjà qu'il y ait une demande. Comment nous allons faire pour que les produits locaux, qu'il y ait une demande des populations pour les produits locaux? Il faudrait aussi que nous sachions quelles sont les attentes des populations par rapport aux produits locaux dont nous parlons. Il y a des exigences de la part des consommateurs. Il faudrait qu'il y ait une réponse par rapport à ces attentes-là. Et que le secteur privé puisse justement, pour répondre à ces attentes-là, offrir des produits qui, par rapport à la qualité et par rapport au prix, pourraient être accessibles pour une optimisation de la situation nutritionnelle des populations. Travaillons ensemble, essayons de chacun dans son domaine de réfléchir à comment relever les défis de son secteur, le secteur dans lequel chaque acteur travaille, mais aussi comment est-ce que nous allons ensemble avoir des effets de levier pour pouvoir relever les gros défis auxquels nous faisons face. Ça foule mon soumet et comme un balançant.